Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire un haul spécial solde. Donc je suis allée chez Taliwell ainsi que chez Tati et je suis passée chez Mac. Donc c'est parti, j'ai fait des belles affaires. Vous allez voir. Je vais déballer tout ça déjà. Ouais. Donc déjà les sprays ils n'étaient pas soldés, ils sont 10 euros chacun. Bien sûr, faut faire gaffe si vous voulez vraiment acheter vraiment neuf parce qu'on ne pouvait pas voir. Faut pas que le truc là soit mouillé, le petit point là au milieu. La partie où ça spraye, il y en avait au moins plusieurs qui étaient testés alors que c'était même pas des testeurs. Donc ça, fallait faire super gaffe. Et quand j'ai testé, bien sûr, le testeur, et pas bien sûr les neufs là que j'ai pris, ça sentait super bon. Celui-ci donc à la pastèque. Donc comme vous savez, elles sont réputées ces brumes fixantes. Enfin, ces brumes. Ouais, ces brumes fixantes. Il y en avait avec d'autres fruits, je crois. Et j'ai vu ça que dans d'autres boutiques, je sais plus du tout. Ouais. Je crois que c'était à la Défense que j'ai vu. Mais celui-ci, je crois, j'étais au Hall. Ouais. J'étais au Hall quand j'ai pris ça. Donc j'ai pris pastèque et ananas. Ils sont 10 euros chacun. Dommage que c'était pas soldé ceux-là. Donc ça, en dehors des soldes. Ensuite, ouais, 10 euros watermelon et l'ananas. Voilà. Et j'ai pris un lipstick à 10 euros au lieu de 20. Enfin 19,50 quoi. C'est celui-ci. Il est magnifique. C'est un couleur anis. J'espère, hein. Enfin normalement j'ai vérifié parce que avant d'acheter faut toujours vérifier dans la boîte. Ouais, je vérifie toujours. Voilà, très beau anis. Oh, c'est magnifique ça. Je vais vous swatcher ça. C'est spécial hein, comme couleur. Il est légèrement métallique. Bon, la griffure à côté, c'est mes petits chatons. Bon, après, ils s'amusent, hein, c'est pas méchant. Donc voilà. Je suis à la lumière du jour, bien sûr. Très joli. Et ça sent super bon là. C'est la vanille. Ça sent super bon. Franchement, très contente. Ça, on dirait un gloss à. Enfin, c'est crémeux, voilà. C'est plus crémeux que gloss, ouais. Donc voilà. Solde spécialement 50%. Le Frost Lipstick rouge. Il y avait d'autres teintes que je voulais, mais je crois qu'il y avait plus, je sais plus. Enfin bref. Donc voilà. Ensuite, de la collection Aladdin, j'ai aimé que ça, en fait. J'ai aimé que ça. Le bronzer, ouais. Enfin, l'highlighter, il est banal. La palette, il n'y a qu'un seul duochrome qui est joli, mais que j'ai déjà. Mais ce duochrome-là, vous allez voir, elle est magnifique. Plusieurs personnes l'ont acheté, que j'ai vu sur YouTube. Elles ont raison. Moi, c'était mon but aussi de l'acheter en solde, surtout, après sa sortie. Donc, ouais, elle est passée à moins cher, je sais plus. Il n'y a pas le prix dessus. Ah, voilà. Au lieu de 24, 14,40 €. Donc, presque moitié prix. Ouais, ça doit faire 40%, je sais pas, 45, je sais plus du tout. Elle est magnifique, franchement. C'est stylé. Waouh, c'est magnifique. Pouh. C'est duochrome comme j'aime, c'est du pêche rose gold. C'est entre trois couleurs quoi, c'est un truc de fou. Donc voilà, tout neuf, bien sûr. Toujours vérifier ce qu'on achète. Ah ouais, faut que je fasse super gaffe. Donc voilà, je vais refermer vu que c'est allé un peu sur mon doigt. Bon, après c'est sur l'ongle. Ouais, c'est pas ouf. Non, je vais vraiment swatcher à la normale. Mais bon, bah tiens, avec cet opercule,
Je vais swatcher sur mon bras. Ouais, non, il n'y en a pas beaucoup. Je vais vous faire un vrai swatch. Avec parcimonie, bien sûr. C'est spécial, hein. C'est... Ça, faut mettre une bonne base. Bon, ben voilà, on voit déjà sur mon doigt. Oh, c'est très joli. Franchement, j'aime beaucoup. Les reflets dorés, là, surtout. Pff, magnifique. Voilà. Magnifique. Moi, j'adore. J'adore, j'adore. Ça ressemble à bah, celui de Tarte. Moi, ça me fait vraiment rappeler ça, que j'ai déjà acheté. Lors des soirées gold, bien sûr. On avait les moins 25%, donc voilà. Très belle acquisition. Ensuite. Donc ça, c'est nickel. Tallywell. J'ai trouvé des beaux trucs. Donc je suis allée à Tallywell de Créteil-Soleil et de Châtelet-Léal. Ouais. Donc j'ai trouvé ce porte-monnaie magnifique. C'est une tuerie holographique avec des plantes, comme je les aime. Des plantes palmiers, trucs comme ça. Et à l'intérieur, c'est rose... rose... Non, plutôt saumon. Ouais. Saumon, un saumon très clair. C'est très joli, franchement, j'aime beaucoup. C'est stylé. Vraiment stylé. Et le truc, il était pas cher. 12,99€. Et vu que le prix soldé était pas marqué, personne ne l'a pris, c'était le dernier. Ils ont dû croire que c'était plein tarif. Aucun client ne l'a pris. Moi, j'ai demandé en caisse, est-ce qu'il est soldé? Et elle a dit ouais. Et c'est celui-ci. Ça qui est porte-monnaie, bah, il m'a coûté 6€ machin. Donc voilà. Enfin, 6,50€, voilà. À peu près. Donc, très belle affaire. Ce porte-monnaie, vraiment magnifique. C'est tout ce que j'aime. Hein. C'est trop stylé. Ensuite, celui-ci, je l'ai trouvé au Châtelet-Léal. Il était soldé aussi. Par contre, je sais pas le prix. Je crois qu'il était dans les 2 ou 3€. Je sais plus du tout. Prix de base. Donc, prix de base, 7,99€. Donc, moitié prix, 3,50€, ça m'a fait. Je crois. Hein. Je sais plus. Donc, c'est un très beau pinceau multicolore. Celui-ci, ça va être spécial pour highlighter. Hein, je pense que je vais l'utiliser. Voilà. Très jolie licorne. Pour ceux qui aiment les licornes, c'est parfait. Moi, c'est vraiment pour... je suis pas à fond licorne, mais j'aime bien. Franchement, c'est joli. Ensuite, je me suis acheté un... Attends, c'est bien une jupe, hein. Ouais. C'est bien une jupe. Donc, j'ai pris taille L, ouais. À 10€, et ça passe à mon... Je sais plus, moi... Moitié prix, je sais plus. Franchement, ça c'est quoi? C'est autre chose. Trop de trucs. Ticket de caisse. Je sais plus si j'ai d'autres. Un autre ticket de caisse. Est-ce que c'est Tallywell? Non, c'est pas Tallywell, c'est Tati. Enfin bref. C'était pas cher quoi. Très jolie, très, très belle jupe. Enfin, très belle, ouais, très belle jupe fleurie avec des perroquets. Si ça c'est pas joli. Ouf, et là il y a des fruits là à côté. Je crois que c'est des mandarines. C'est très joli. J'adore, j'adore. Fruité, animaux et plantes, c'est mon kiff. Et bien sûr, j'ai le haut qui va avec. Le haut qui va avec. Magnifique. C'est un sort de. Je sais plus comment. Un boléro? Non. Je sais plus comment on dit. Enfin, ça fait les épaules dénudées. Donc voilà. Et bien sûr, c'est comme un crop top. Celui-ci, sur un t-shirt blanc, moi, ça m'irait. Ouais, pour le moment, faut pas que je montre mon bide, hein, pour dire. Mais très joli, franchement. Et c'est fluide. Ça, c'est bien pour les temps de canicule. C'est super fluide. Avec ça, tu transpires pas trop, quoi. Super fin aussi. Pas trop transparent, donc tant mieux. Hein, n'est-ce pas? Donc là, on voit là, bien la matière. Très joli ensemble. Avec la jupe, c'est magnifique. Ensuite, celui-ci. Ah, voilà.
On voit les prix à côté. 22,99, il passe à 12,99, moins 10 euros quoi. Donc c'est une très belle veste kimono, je dirais kimono avec des pompons, enfin des pompons, des trucs, et très joliment fleurie. Donc c'est des orchidées, je crois, je sais plus du tout. Je suis pas connaisseur en fleurs, enfin connaisseuse, mais c'est très joli, hein, c'est magnifique, trop beau. One size bien sûr, donc j'ai pris direct. Ça, j'ai vraiment bien fait. Et bien sûr, ça aussi c'est tissu très fin. C'est comme de la, c'est comme du lin, je sais plus. Ouais, ça ressemble, mais c'est pas du lin. Bref, ensuite, ça aussi Taliwell. Je crois qu'au fond il y aura du tati, je sais plus, j'ai un peu mélangé. Donc une robe dénudée et fleurie avec des belles petites roses comme ça et style léopard blanc, léopard d'hiver, je sais pas. Très belle robe. Donc voilà, très belle robe, magnifique. C'est trop joli. Bon, faites pas gaffe au bordel de derrière. Vu que je pensais être en déménagement, c'est, il y a du rangement. Ah oui, et le devant, il est normal. Le devant, c'est juste un col normal, mais c'est le dos en fait qui est très joli. Ouais, très joli. Ouais, c'est voilà, c'est croisé, des bandes croisées. Trop beau. Est-ce que j'ai dit le prix 9,99? À moi qui ai pris quoi? Au lieu de 19,99. Trop pas cher. Ensuite, un haut en synthétique, je crois. Là, je pense que c'est des orchidées. Très joli haut. À tulle. Ouais. Et sans manche. Ouais, sans manche. Sans manche. Trop beau. Je vous montre comme ça. Trop beau. XL 12,99 et il est passé à je sais plus combien, pas cher quoi. Je sais pas si c'est là-dedans. Chemise fine 12,99, c'est lequel? Peut-être celui-ci là en bas, top tissé sans manche, moins 8 euros. Bah, ça fait 3 euros. Ouais, 2,99 quoi. 2,99. Ouais, 4,99. Donc 5 euros quoi. J'ai du mal hein, le matin. Donc voilà, trop pas cher. Très joli. Et bien plantureux comme j'aime. Ensuite, j'ai trouvé ce sac. Sac serviette. Donc de base, il est à 12,99. Il m'est venu à 6 euros. Moitié prix donc. Spécial Beach. C'est écrit quoi en dessous? Just do nothing. Juste faire rien. Ouais. Et bien sûr, il y a une serviette dedans. Bon, je la. Attends, est-ce que je la déballe? Est-ce que je la déballe? C'est quoi ça? Ah ouais, d'accord. La serviette, elle est ajustée au truc, au sac. Bon, vas-y, on va tester. Hein. Ah ouais, d'accord. Le sac est là, le sac est là et la serviette est bien sûr assortie, enfin assortie et avec. Elle est accrochée au sac. Tu peux pas la retirer, c'est ça qui est bien. Pour aller à la plage, ça fait et sac à main et serviette. Un sac à serviette, voilà. Et très joli. Ça aussi, ça a des orchidées. Ouais. Des orchidées, ouais. C'est très joli, j'aime beaucoup. Ensuite, une belle chemisette avec un petit nœud sur le ventre. Ouais, ça fait très palmier. Quelques, il y a la mer et des orchidées. Là, c'est sûr, c'est sûrement des orchidées. Hein. C'est trop joli, quoi. Ah mince, il s'est un peu froissé.
Depuis le temps que je voulais vous faire ce hall, j'avais tellement de halls à vous faire en solde, je voulais vraiment les répartir en marques, par exemple Sephora de côté, l'autre je sais plus c'était quoi. Donc voilà, très très jolie chemisette et manche courte. Voilà. Il était à combien? Il était à 6,99 au lieu de moitié prix. 15,99. D'accord. Ok. Ensuite, ça c'est quoi? Ouais, c'est bien Taliwell. Non, c'est H&M, mais c'est pas grave, je vous le rajoute. Ouais, voilà, j'avais fait un haul aussi H&M et j'ai raté celui-ci. C'est pas grave. 6,99 au lieu de 9. C'est ouais, c'est un shirt. D'accord. C'est un shirt fleuri. Et ça, c'était côté daronne, future maman, quoi, on va dire. Donc voilà, très joli. Un peu style baroque. Baroque corail. Trop beau. Magnifique. Ensuite, ah là, on va passer chez du Tati. Donc moi, ce que j'aime chez Tati, et ce que j'aime mettre aussi en hiver, c'est les jeggings. Ah, ça, je kiffe. J'arrête pas d'en acheter à Primark. Ouais, je vous ai fait aussi un haul Primark. J'en ai acheté un aussi en orange à Primark. Et celui-ci, il est noir. Et ça m'arrange beaucoup. Donc j'ai pris un vraiment XL parce que voilà quoi. Donc c'est un très beau noir. Et bien élastane. Et je kiffe, je kiffe. Et t'as pas besoin de mettre 2 heures avec ta braguette et d'être serré dedans vu que c'est bien élastique. Ça, c'est génial. Franchement, pour celles qui ont des rondeurs, tout comme moi, c'est parfait. Vous êtes à l'aise. Vous êtes super à l'aise dedans. C'est un truc de ouf. Très beau jean. Ensuite, rayon homme. Je me suis intéressée. Tati, ils n'ont pas des soldes, mais ils ont des trucs spéciaux. Ouais, vous êtes remboursé ou alors vous avez des bons sur votre carte au même prix que les soldes. Mais celui-ci n'était pas soldé, donc je l'ai pris quand même. Ah oui, et celui-ci, le pantalon, il était à 10 euros, 9,99 quoi. Enfin, pantalon, le jean. Et celui-ci n'était pas soldé, il était à 7,99. Mais j'ai beaucoup aimé. Tout simplement parce qu'il y a des palmiers, c'est corail, orange, saumon, c'est trop beau. C'est trop beau. Et c'est un maillot de bain shirt pour homme. Mais moi, j'aime beaucoup mettre ça. J'aime beaucoup mettre ça avec des. Comment ça s'appelle? Des. Ouais, des leggings. Hein. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Franchement, en été, c'est génial. J'en ai plein des comme ça. Les hommes ont des bons trucs. Hein, et franchement, ça peut passer mixte. Et il y a des poches arrière. D'accord. Il y en a qu'une. D'accord. Ensuite. Dernier article. Ah non, même pas dernier. J'ai encore d'autres petits trucs. C'est un très joli haut à une seule épaule nude. Nude. Enfin, nudée. Orange fluo. Tellement il flash qu'il assombrit un peu ma caméra. Truc de fou. Celui-ci, je sais plus si c'était combien. Le ticket de caisse. Ah voilà. Donc c'est le Tati d'Aubervilliers au Millénaire, centre commercial. Là-bas, il y a des super bons trucs. Donc ce que j'ai pris, le legging. Enfin, legging, 9,99 comme j'ai dit. Le short bain, 7,99. Et le débardeur, 7,50. Trop pas cher. Trop trop pas cher. Ensuite, très joli haut, ça. Super pour l'été. Le dernier, enfin les derniers articles, vu qu'ils étaient différents les boucles d'oreilles, je me suis dit je vais en prendre deux pour faire similaire. Ça c'est une très bonne technique pour avoir la double paire quoi. Je voulais pas mettre ça différemment sur les oreilles. Donc elle se présente comme ça, 3,99 et j'ai pris les deux dernières. Il y en avait plus que deux, j'ai fait vas-y je prends tout parce que je veux en double. Donc voilà, ça c'est génial avec mes tenues. Mes tenues plantureuses ou fleuries. C'est magnifique pour l'été. Donc très belle affaire. Enfin très belle affaire. Même si c'était pas soldé, ça va. C'était abordable chez Tati. De toute façon, Tati, c'est souvent abordable, hein, faut se le dire. C'est pas grave. C'est dommage qu'il n'y avait pas des soldes chez eux. J'ai même
fait un commentaire sur leur page Facebook, je me suis dit, enfin, je leur ai dit que c'est pas normal que vous ayez pas fait de solde cette année. Et la caissière, elle m'a dit aussi que ça fait 2 ans, enfin, l'année dernière aussi, ils avaient fait ça, et voilà. Bah, j'espère qu'ils vont changer, hein. Donc voilà, j'espère que vous aussi, vous avez fait des bonnes soldes. Parce que moi, je me suis régalée, mais je suis encore frustrée. Il y avait d'autres boutiques que je voulais faire, mais après, voilà, quoi, on devient serré à force. Primark m'a ruiné, Sephora aussi. La Taliwell, bon, ça va, ça, ouais, ça m'a ruiné aussi, je l'avoue. C'est une très bonne boutique, hein. Je me demande si c'est français ou pas, mais je crois pas que c'est français, je sais pas. Faut voir ça sur internet. Bon, voilà. Et je vous souhaite de bonnes vacances et à bientôt. Ciao!